Révélée dans Famille Nombreuse, la vie en XXL, sur TF1, Olivia Gaïa est aujourd'hui suivie par plus de 350 000 personnes sur Instagram. Proche de ses fans, la jeune femme a accepté de répondre à leurs questions mardi 1er novembre 2022. Alors qu'Amandine Pélissard, autre star du programme, a fait de lourdes accusations contre la production dans une interview accordée à Jordan Deluxe, la fille de Souk Davon et Olivier a déclaré « Je l'ai regardé et ce que j'ai ne pense, si est-il que chacun a son expérience et que chacun vit les choses de manière différente. Ce n'est pas parce que nous avons participé au même programme que nous avons tous le même avis. » En toute transparence, Olivia Gaïa a indiqué, « Je vais parler en mon nom seul et vous donner mon point de vue malgré le fait que cela fasse plusieurs années maintenant que nous ne faisons plus partie de l'émission. Je n'ai personnellement rien à reprocher à TF1, pour la simple et bonne raison que tout s'est très bien passé pour notre famille, vraiment. » La jeune maman a cependant reconnu ensuite avoir été témoin de quelques quiproquos de temps en temps avec la fatigue des tournages, les personnalités de chacun, mais toujours dans le respect et dans la bienveillance de tous. Dans l'ensemble, elle garde malgré tout un bon souvenir de son expérience à la télévision. Amandine Pélissard, un vrai manque de respect face à Jordan Deluxe, pour Télé Loisirs, la femme d'Alexandré Pélissard n'avait pas été tendre avec la production de l'émission qui l'a fait connaître. On a pris la décision de les attaquer en justice. Compte tenu de la situation et de ce qu'il s'est passé durant les derniers tournages et pendant de nombreux tournages au cours de ces 3 ans, on ne peut pas faire autrement que de dénoncer la façon dont se comporte cette production qui est en contact avec des familles et des enfants, avait-elle déclaré. Cash, Amandine Pélissard avait ajouté, à notre sens, il y a des choses qui mettent en danger les enfants et les familles. Il y a un vrai manque de respect et de sécurité envers les enfants.